Sega Rally Championship. Cultissime. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vraiment cultissime. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, vous l'avez tous vu sous vos yeux avec cette petite séquence d'introduction tirée du moteur du jeu. On se retrouve avec un jeu culte aujourd'hui. Donc salut à tous, c'est Yoshi pour Yoshi's Story TV et oldisrising.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement Sega Rally Championship 95 sur Saturn. Faut savoir que Sega Rally Championship est sorti d'abord en arcade et c'est un des plus gros succès de Sega en salle d'arcade. Il a vraiment fait le bonheur des salles d'arcade comme l'avait pu également faire Daytona USA en son temps. De toute façon, ils sont sortis quasiment à la même période, entre 93 et 95 si je dis pas de bêtises. Et ce Sega Rally là est considéré déjà comme le meilleur Sega Rally de la série, mais également comme un des jeux les plus culte de la période 32 bits. Donc comme je vous disais, il provient à la base des salles d'arcade et il a été converti pour la sortie de la Sega Saturn par Sega AM2. Donc c'est les équipes qui nous ont proposé à l'époque aussi Daytona USA. Donc Daytona USA, je vous l'avais pas présenté, je vous avais présenté une version un petit peu améliorée, un petit peu différente, discutable, c'est vrai, qui était Daytona USA Championship Circuit Edition, si mes souvenirs sont bons, c'était il y a un bon petit moment déjà. Donc on va commencer tout de suite. Comme vous l'avez pu, vous allez pouvoir le remarquer, on a la licence WRC de 95, avec deux, voilà, c'est une licence partielle, il n'y a pas tous les véhicules, malheureusement. On retrouve la Toyota Celica, qui était à l'époque, il me semble, conduite par Didier Auriol, qui a été champion du monde du rallye, et c'était un Français, avant Sébastien Loeb, et une Lancia Delta, qui est pas trop mal. Les deux voitures sont quand même assez équivalentes. 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti. Donc on a droit à trois modes de difficulté dans ce jeu. Un mode easy, un mode normal et un mode hard. C'est peu, mais vous allez voir quand même que le jeu est quand même un petit peu retors. Vous avez trois courses et c'est là au niveau du contenu où ça va faire un petit peu mal. Là, la première ici, vous voyez, c'est la course du désert. Donc ce qui saute directement aux yeux, franchement, c'est les petits détails là qu'on a qui sont anodins et qui paraissent anodins aujourd'hui, mais qui faisaient son effet à l'époque. Vous voyez les petites particules de poussière qui sont laissées derrière le véhicule. C'est quand même assez excellent. Franchement, c'est super bien fait quand on traverse le sable comme ça. Regardez la bagnole, que ce soit devant ou un petit peu derrière comme ça. Regardez cet hélico là, super bien modélisé aussi en 3D, qui nous laisse un petit peu de la poussière. Franchement, c'est super bien foutu. Donc là, la course se fait qu'en un tour, parce que au préalable, j'avais réglé justement tout ça afin que ça fasse seulement un tour. Vous avez la possibilité de régler les options de manière à faire des courses de 3 tours. Bon, faut savoir que voilà, c'est purement arcade, que normalement une étape de rallye à proprement dit, c'est pas un jeu de simulation, Sega Rally, c'est un jeu d'arcade, un jeu de rallye de simulation. Vous aurez proposé plusieurs spéciales et pas non plus des tours à faire comme ça sur un circuit comme on peut l'avoir là. Ici, c'est le circuit de la forêt, vous voyez déjà un environnement radicalement différent. Vous voyez le petit détail, encore une fois, les petits oiseaux là qui sont passés devant nous là, qui étaient en... C'est quand même bien rendu, les circuits sont super vivants, comme vous pouvez le voir là sur le côté avec les petits murets, les falaises, les sapins. Franchement, c'est du gros boulot. Et comme je vous disais, ce jeu est purement un jeu d'arcade. Vous aurez trois modes de jeu. Le mode arcade, comme vous voyez sous vos yeux, ce que j'ai opté pour cette présentation. Un mode classique qu'on appellera le mode time attack, où vous devez contre la montre battre votre record, ou un mode en versus à deux joueurs. Pour 1995, il faut dire quand même que la modélisation des véhicules est quand même plutôt correcte. Voilà, c'est pas trop cubique, c'est assez fin, je trouve que ça tient encore même bien la route par rapport à certains jeux qui avaient pu sortir un petit peu plus tard sur PlayStation. C'est du très très beau boulot. Le seul défaut que j'émettrais, qui pour moi aujourd'hui a un petit peu vieilli, c'est simplement le texturage de la bagnole.
qui me semble un petit peu cheap, vous voyez ici, un peu pixelisé, c'est pas extrêmement propre, ça s'est amélioré dans d'autres jeux de Sega d'arcade du même type à la suite, mais là c'est vrai que pour cet épisode de Sega Rally, hein, le premier du nom de la série, on est un petit peu en dessous de ce qu'on était en droit d'attendre, sachant que la borne d'arcade était bien entendu beaucoup plus jolie, ça va de soi. Donc, comme je vous disais, regardez le level design, quand même super vivant, là c'est le circuit de la montagne, donc super joli avec une ville comme ça en montagne, hein, les bâtiments qu'on voit au bout, franchement c'est super classe, la foule sur le côté, c'est une nouvelle fois très bien rendu et surtout ça n'enlève aucune fluidité au jeu, le jeu est super fluide. Et ça, c'est une des grandes qualités de ce Sega Rally là. Peu de clipping et surtout une fluidité à toute épreuve. Moi, franchement, ça m'a vraiment impressionné quand j'ai repris ce titre en main là. Je pensais avoir affaire. Je pensais que j'aurais affaire en fait un jeu un peu clippé et tout, comme c'était le cas sur Daytona USA. C'est vrai que sur Daytona USA, c'était quand même une catastrophe le clipping par rapport à la version arcade. Là, on se retrouvait quand même avec quelque chose de super classe. Et la fluidité est vraiment extrême. Et il n'y a quasiment pas ou peu de ralentissement. En tout cas, de ce que j'en ai vu, j'y ai joué 3 bonnes heures. Franchement, niveau ralentissement, j'ai pas été embêté. Le jeu tient la route à 100%. Donc voilà, comme vous voyez, ça se joue au timer, et là, je me suis fait avoir, puisque j'ai pas réussi à atteindre le dernier checkpoint. Game over, yeah! Pas culte, ça, franchement. Ça, c'est culte. C'est les bruitages cultissimes de Sega qui ont fait... aussi rentrer Sega dans la légende, en tout cas en ce qui concerne l'arcade, c'est certain. Et si mes souvenirs sont bons, on avait ce Game Over, yeah, y compris sur la version Saturn et la version arcade de Daytona USA, hein, si je dis pas de bêtises. Donc là, avoir commencé, je vais vous montrer un petit peu avec la Lancia Delta, qui était un des véhicules, hein, dispo en WRC à cette époque. Je crois que c'est... Voilà, c'est ce genre de voiture-là, hein, que ce soit la Toyota ou la Lancia, c'est plus du tout des constructeurs qui officient dans le championnat du monde des rallyes désormais. Il doit y avoir que 2-3 types de véhicules désormais, Citroën bien entendu avec Sébastien Loeb. Regardez-moi cette vue intérieure avec cette impression de vitesse absolument saisissante. Là au niveau de la conduite c'est un petit peu plus difficile forcément, mais franchement... Pardon. Ça cartonne. Regardez comment ça envoie du lourd avec cette impression de vitesse. Le véhicule qui bouge et tout au niveau des suspensions, c'est super bien rendu. Un gameplay qui va se faire vraiment tout en dérapage, avec du braquage, du contre-braquage. Ce qui est excellent aussi, c'est vraiment les différents niveaux d'inclinaison de la piste. Vous voyez que c'est pas rectiligne, quoi, on va dire, c'est pas sans relief, hein. Vous avez des côtes, des descentes avec des bonnes petites bosses et tout. Et franchement, ça c'est super sympa aussi. Une petite gestion de collision, vous voyez quand même que ce véhicule là, j'ai pas pu rebondir non plus dessus, il m'a quand même fait bien ralentir, même s'il m'a permis de me remettre tout à fait droit dans le virage, quoi. Finish. Deuxième circuit, la forêt, on se le refait une petite fois. Three, two, one, go. Donc ouais, franchement, au niveau pilotage, ce Sega Rally, c'est vraiment un plaisir d'apprendre à piloter les deux WRC de l'époque qu'on nous propose. Franchement, il y a un petit temps d'adaptation à avoir, mais c'est super facile à prendre en main. Le titre est quand même accessible, tout en restant quand même très technique. Et c'est l'une de ses grandes forces, à mon sens, c'est de proposer une accessibilité tout en proposant également une belle marge de progression pour ceux qui voudraient améliorer leur chrono, obtenir des trajectoires absolument parfaites. C'est tout à fait possible de progresser, mais surtout de ne pas laisser, voilà, les joueurs débutants de côté dans ce titre. Et ça, c'est vraiment sympa. On sent bien aussi
et ça c'est super aussi au niveau gameplay, les différents changements de revêtements qu'on peut avoir sous nos roues, sous les roues de notre WRC, hein, que ce soit le sable, l'eau, l'asphalte ou ici la boue, franchement c'est super bien rendu, on sent vraiment le changement d'adhérence, le changement de revêtement sur nos roues, et ça c'est vraiment un des points qui m'a le plus surpris. Je pensais pas retrouver vraiment cette qualité au sein de ce titre. Bon, bah on a fini la deuxième piste, tranquille. On va se réattaquer à la troisième, qui a eu raison de nous tout à l'heure. La montagne. Très belle piste, hein. J'aime beaucoup celle-ci, c'est probablement une de mes préférées. Une piste très technique, quand même, mine de rien. Avec une chaussée qui est vraiment réduite. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on avait vraiment, sur les deux premiers circuits, des chaussées quand même assez larges qui nous permettaient de faire des virages avec une grande amplitude. Là, il faut quand même essayer de coller un maximum au mur, histoire d'avoir la trajectoire optimale. C'est pas forcément évident, surtout que là, en termes de virages, ça commence tout doucement à se corser, avec des virages notamment comme celui-ci en épingle à cheveux, et oui, forcément, on va rentrer un petit peu dans les murs. Côté bande-son, bah écoutez, ce Sega Rally-là va vous proposer, en fin de compte, une bande-son sans surprise, si je puis dire, puisqu'elle est tout à fait dans le plus pur esprit de Sega, le plus pur esprit arcade de l'époque. C'est du hard rock, voilà. Et moi, je vais vous faire une confidence, je suis quand même assez nostalgique de cette époque où on avait ce type de son là dans les jeux vidéo. C'est quelque chose qui malheureusement se fait plus beaucoup, et à mon sens c'est vraiment l'identité de Sega. Ce type de son là c'est vraiment l'identité, l'ADN, c'est inscrit dans l'ADN de Sega d'avoir des musiques pareilles, et surtout voilà, ça renforce en tout cas une nouvelle fois le côté arcade de Sega. Ça pète, quoi, voilà. Que ce soit graphiquement, au niveau du fun player, au niveau son, ça envoie ce qu'il faut. Et c'est ça, c'est bien ça l'essentiel dans ce Sega Rally là. Bon, donc là on a encore foiré. Alors ce que je vous propose pour ce dernier run, c'est tout simplement de passer en vitesse manuelle, histoire de gagner quelques chevaux. Apparemment on va juste refaire un petit tour par les options, histoire de vous faire écouter vraiment cette fameuse bande son un petit peu plus en détail. Montez le son d'ailleurs, vous pouvez. Écoutez-moi ça. Ça décoiffe. Franchement, c'est excellent. Du même niveau que la bande-son de Daytona USA pour moi. Ça va sans dire. Franchement, aucun problème. Donc voilà, je vous dis, niveau son, ce titre-là est tout bonnement excellent. Dans le plus pur esprit Sega de l'époque. Après, bon, voilà, vous avez le traditionnel speaker de Sega. Avec le 3, 2, 1, go, finish, etc. Les indications du copilote qui se révèlent quand même fort utiles, parce que vu que ça va assez vite, c'est quand même assez important d'avoir des panneaux et des indications concernant les virages à venir, puisque vu que ça va vite, il faut quand même, on va dire, s'adapter au mieux concernant les circuits. Puis voilà, vous pouvez écouter un petit peu via le sound test, pardon, un petit peu tous les sons qui sont inhérents au jeu. Voilà. Donc on va sortir. Et on va repartir une nouvelle fois sur le fameux mode arcade. C'est parti. Et on va passer en vitesse manuelle. Et vous voyez que vous allez voir qu'ici, en vitesse manuelle, vous pouvez quand même glaner des points d'accélération bien plus intéressants, bien plus grands. Négocier davantage vos trajectoires, vous allez voir ça tout de suite. Ah, oh putain, ce son, j'adore. C'est une tuerie. Alors moi, au départ, j'avais pas fait gaffe, mais il faut bien penser à enclencher tout de suite la première. Je pensais que la bagnole allait démarrer directement en première, mais en fin de compte, non, il faut bien enclencher la deuxième, la première, parce que sinon, vous démarrez pas. Moi, ça m'est arrivé. J'accélérais, puis je suis resté sur le carreau, en fait. J'avais pas enclenché la première.
Voyez là, directement en rétrogradant, tac, on peut négocier au mieux la trajectoire et directement réaccélérer en sortie de piste, en changeant de rapport. Donc vraiment, voilà, ça va pousser un petit peu dans les rapports et ça vous permet de gagner quand même quelques précieuses secondes pour atteindre les checkpoints, parce que c'est, vous l'avez vu, là, c'est pas forcément évident, on est en mode normal. Comme je vous l'ai dit, il y a trois modes de difficulté, facile, normal, hard. Déjà, en mode normal, c'est déjà un petit peu plus retors hein, pour atteindre les checkpoints. Vous voyez là, hop, directement accélération en sortie de circuit. Enfin voilà, nickel. En plus, c'est assez simple d'allier le gameplay technique avec directement la gestion des vitesses de manière manuelle. Il n'y a pas trop de soucis. Franchement, je me suis fait très rapidement et c'est bien plus agréable. De toute façon, au niveau des high scores qu'on peut consulter en fin de partie, et oui, fin de partie seulement, puisqu'il faut déjà réussir à terminer le championnat, ce qui vous permettra d'inscrire votre nom dans les high scores. Vous pourrez le consulter, ce fameux high score, et vous verrez que les premiers chronos, en tout cas du CPE, sont occupés par les personnes qui ont testé qui ont joué en automatique. Donc je sais pas si c'est les records des développeurs ou quoi, ou si c'est du fake, mais quoi qu'il en soit, voilà. Pour bien maîtriser le jeu, il est essentiel d'avoir recours à la boîte manuelle. Parce que sinon c'est quand même un petit peu chaud d'arriver à être super rapide sur les circuits quoi. Là j'adore avec ce petit passage dans le tunnel là, hop, on rétrograde, on dérape et on repart en quatrième direct. C'est nickel, tout simplement. Donc les loadings, je sais pas, vous avez dû remarquer là, de toute façon sur le début de cette partie, de ce test, ils sont super rapides. Ça c'est vachement bien parce que ça casse pas du tout le fun des parties. On enchaîne les circuits, à une vitesse dingue. Et d'un circuit à l'autre, il y a quasiment pas de temps d'attente. Vous allez aller attendre quoi, 2 secondes, 2-3 secondes maximum. Ça c'est une grosse qualité du tick. Bon, on voit que la galette est pas remplie, à mon avis aussi à ras la gueule. Enfin, tout est optimisé au maximum pour essayer d'être le plus fidèle possible au jeu d'arcade. Et là ici, c'est une belle réussite par rapport à, une nouvelle fois, je fais une comparaison à Daytona USA. C'est une nouvelle fois une belle réussite. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous voyez, là, on va terminer la course et vous allez compter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 6 pour 6 secondes à peu près. Franchement, c'est bien plus qu'honorable. J'avais un petit peu exagéré. Donc ouais, comme je vous disais, voyez l'impression de vitesse, c'est tout simplement une tuerie cosmique. Franchement, c'est excellent, c'est super fluide, ça reste très jouable, c'est dynamique, surtout en vue intérieure. Franchement, je suis deg de ne pas avoir un volant Saturn, parce que j'aurais bien essayé avec les palettes au volant et tout. Franchement, ça aurait dû être carrément terrible avec le Arcade Racer, alors que j'ai failli me l'acheter les dernières en brocante. J'ai été con, j'aurais dû le prendre. Je pense que j'aurais pu m'en tirer pour 10€ à tout casser. Et je regrette de ne pas l'avoir pris, franchement, parce que ça aurait pu être franchement sympa de se tester ce Sega Rally là au volant. Je pense que j'aurais pu avoir une très très belle surprise en y jouant au volant. Donc pour conclure, parce qu'on va pas pardon, on va pas s'éterniser sur le test de ce Sega Rally, je pense que je vous ai dit à peu près l'essentiel. La durée de vie, c'est vraiment là où le bas blesse. C'est un jeu d'arcade, donc la durée de vie, elle s'en ressent forcément, elle est assez ridicule. Trois circuits qui vont quand même en difficulté crescendo, comme je vous l'ai dit. Vous en avez un caché, qui est le lac, qui va être un petit peu plus difficile, plus long, plus tortueux. Vous voyez là, en rapport manuel, j'ai réussi directement à finir la course, donc plutôt pas mal. Y a un gain de vitesse quand même qui est pas négligeable. Hein. Trois modes de difficulté, deux voitures plus une à débloquer. Avec un mode de time attack, histoire de battre vos records, avec bien sûr le traditionnel Ghost. Et un mode versus en deux players. Donc voilà, ça manque un petit peu de contenu qui aurait pu permettre à Sega Rally vraiment de se hisser à d'autres références telles que Colin McRae Rally. Moi j'avais adoré le premier Colin McRae Rally sur PlayStation. J'avais trouvé tout bonnement énorme avec une super durée de vie. Là c'est pas le cas sur Sega Rally et c'est dommage parce que franchement, tout en conservant les grandes qualités de ce
de Sega Rally, si on avait eu du contenu avec plus de spécial, des championnats plus longs et tout, ça aurait pu franchement être de la balle. Mais bon, tant pis. Ils ont voulu être quand même un peu fidèles à la borne d'arcade et ceci explique donc cela. Quoi qu'il en soit, moi je trouve quand même, pour terminer là-dessus, que le jeu il a quand même vachement amélioré. Pas amélioré, je veux dire influencé, j'ai l'impression, le mode rallye qui était dispo dans Gran Turismo 2. C'est très calqué quand même sur Sega Rally. Hein. Dans mes souvenirs, ça ressemble beaucoup à ce mode rallye de Gran Turismo 2. Et je pense que voilà, ce Sega Rally là, au niveau des influences pour le mode rallye de GT2, il n'a pas été anodin, ça c'est certain. Je vous laisse améliorer, admirer les replays qu'on peut avoir en fin de championnat. Vous voyez ce zèbre et tout, là c'est rempli, c'est fourni, franchement c'est la classe. Ces replays donc sur nos trois courses auxquelles on peut avoir accès en fin de championnat. Avec trois caméras disponibles, une caméra poursuite là comme ça, assez sympa. Qui vous permet d'admirer à fond vos trajectoires. Et puis voilà, repasser éventuellement en vue intérieure ou en vue traditionnelle. Bah voilà, bah écoutez, c'était Yoshi pour Yoshi The Real TV et oldiesrising.com. C'était le test de Sega Rally Championship 95 sur Saturn. Un excellent titre qui n'a quasiment, pour dire, pas pris une ride. En tout cas, en termes de gameplay, le fun reste super présent. Graphiquement, ça reste encore très correct par rapport à certains titres de l'époque. Et bah forcément, si vous avez la possibilité de vous choper à moindre coût, je recommande chaudement ce Sega Rally. Allez, tchuss.